Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous me retrouvez avec ma tête un peu, enfin, no make-up entre guillemets, puisque j'ai une tête du matin, oui. Et j'ai juste fait mon teint. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez la prochaine fois peut-être mon teint, je ferai avec vous. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire une vidéo, une semaine de make-up, avec tous les jours mon make-up. Je vais essayer de filmer ça au fur et à mesure, utiliser plusieurs palettes pour voilà que vous ayez plein de styles différents de palettes, que ce soit la Huda Beauty, la Riviera de Anastasia Beverly Hills, etc. J'ai plein de petites palettes à vous présenter et en plus de ça, c'est une vidéo en collaboration avec Sophie de la chaîne Linoa Wood. Bien sûr, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller découvrir aussi ses différents make-up qu'elle a réalisé avec des palettes dans le même style et en tout cas dans les mêmes marques. C'est-à-dire par exemple pour la Huda Beauty, on n'a pas la même palette, mais c'est le même style de palette, juste elle c'est dans une couleur différente et moi dans une couleur différente. On commence aujourd'hui pour ce premier jour, premier make-up, un petit make-up assez simple, un truc que je fais tous les jours assez régulièrement. Selon vous, quelle couleur ça va être dans la Riviera? Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir. Le rose, bien sûr, donc dans la Riviera d'Anastasia Beverly Hills, le rose, les couleurs roses sont juste sublimes. Je les aime beaucoup, je les utilise beaucoup. Donc, eh bien, on va commencer par ce premier jour, ce petit make-up que j'aime bien réaliser assez régulièrement. Moi, je fais mon teint, je fais donc mon contouring, etc. Et je fais les yeux et les lèvres à la fin. Au niveau des yeux, j'utilise parfois une base glitter de chez NYX. Mais parfois j'utilise pas, donc là je vais faire comme tous les jours quand je veux me maquiller assez rapidement, je vais pas l'utiliser. Le petit make-up du jour, j'espère que ça vous plaira. Parfois j'avais l'impression d'être un peu blanche, mais c'est lié à ma luminosité pas top et à ma lumière artificielle, je pense. Mais voilà, cette palette est juste divine. Je pense que vous pouvez faire pas mal de make-up, que ce soit des nudes ou un petit peu colorés comme ça, sans être dans la folie pure, hein. Je trouve que ça reste passe-partout. Au niveau de mon rouge à lèvres, vous avez vu, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait, ma petite Lily, si tu passes par ici, merci, il est trop beau. Et je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre de toute façon les références à chaque fois quand je les aurai utilisées ici ou en barre d'infos. Et au niveau des pinceaux, j'ai vraiment utilisé des pinceaux assez basiques. Deux pinceaux estompeurs, un de la marque Awa qui coûte 1$ et un de la marque Zoeva qui coûte 10€. Un pinceau pour voilà le creux interne comme ça qui vient de ELF, qui est un petit peu biseauté. Un pinceau fin biseauté pour le creux externe. Et un pinceau plat de chez MAC, le 239. Ça reste des pinceaux que j'utilise vraiment quotidiennement, je les lave, je les réutilise, je les lave, je les réutilise. Ça reste des pinceaux assez basiques, mais je trouve qu'ils sont très bien. Donc voilà pour ce premier make-up, on se retrouve donc demain pour la suite. On se retrouve pour le deuxième make-up et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la Natural Lust puisque voilà j'ai envie d'un petit make-up un peu plus nude et faire un petit peu des lèvres un peu plus punchy.
On va tenter. Si vous la connaissez pas, bah voilà, elle est très sympa. Elle est beaucoup mieux que la Natural Love qui était sortie il y a 3 ans, 2 ans. Ils sont plus crémeux, les fards, ils sont plus pigmentés. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus lumineux. Donc, bah, on va se lancer direct. J'ai toujours les mêmes pinceaux. Ils sont un petit peu roses encore, mais en fait, je les ai frottés pour les nettoyer, pour juste enlever le pigment. Et je les laverai sûrement ce soir parce que j'ai pas eu le temps encore aujourd'hui. J'ai bien envie d'un petit make-up un peu plus marronné, hein, donc on va utiliser les marrons. Donc j'ai utilisé exactement le même mascara, même sérum, mascara qu'hier. De toute façon je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai envie de mettre une petite couleur un peu peps comme ça. C'est le Colourpop Ultra Satin Lips en teinte Lion King. Donc c'est une petite miniature que j'ai reçue gratuitement de la part de Colourpop. J'ai les lèvres un tout petit peu beaucoup sèches, mais ma foi c'est une superbe couleur, un peu punchy comme ça. Et elle paraît un peu rouge peut-être à la caméra, mais c'est vraiment un fuchsia rosé. Il est très très beau. Bon, je vais vous montrer de plus près. J'espère que ce nouveau make-up avec la palette n'importe quoi, avec la palette Natural Lust vous aura plu. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire le make-up que vous avez préféré, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième. Voilà, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Je vous montre de plus près. On se retrouve pour ce troisième make-up avec la Brown Sugar de Colourpop. Logiquement, ma petite Sophie a aussi cette palette, donc vous aurez deux petits make-up. Aujourd'hui, j'ai envie de faire vraiment un make-up assez simple. Je vais surtout utiliser les creux de paupières en fait, et peut-être une des couleurs un peu plus peps, un peu plus brillante pour le coin interne. Et je vais faire un effet double liner, en tout cas je vais essayer. Let's go! Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Et voici le résultat de ce maquillage avec la jolie palette donc de chez Colourpop. Honnêtement, très 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 bien pigmentée. Elle ressemble très très fortement à la Huda Beauty, la Topaz. Mais je vous ferai un make-up avec la Topaz la prochaine fois. Je suis ravie là d'avoir fait un truc un peu nude, mais un petit peu, on va dire, avec une petite touche sophistiquée avec le liner glitter de chez NYX. Donc voilà, après si mon liner n'est pas extrêmement bien fait, vous me pardonnerez, je ne suis pas encore une pro du liner. Je fais au mieux et j'avais envie d'une petite touche un peu flashy, cette espèce de rouge rose de chez Kiko qui est juste sublime. Hein, le packaging, vous avez vu, il est juste trop trop beau. C'est la première fois que je le teste, donc je ne sais pas, je suis pas sûre qu'il soit longue tenue, etc. Ça reste un rouge à lèvres raisin, mais les crémeux onctueux sur la bouche, on le sent pas, donc très très bien. Hein. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Aujourd'hui,
aujourd'hui pour ce maquillage, on se retrouve pour la Natasha Denona. Je crois que ma copine Sophie, elle a la grande version. Elle me dit que c'est beaucoup mieux que les petites. Je la crois sur parole parce que moi j'ai pas de grande, donc je peux pas vous dire. Là aujourd'hui j'ai envie de retester celle-ci, je l'ai testée deux fois, j'ai pas été hyper conquise, je vous avouerai. Même si effectivement les fards sont bien pigmentés, un petit peu poudreux parce que je sais pas si vous verrez mais il y a pas mal de poudre autour. Assez intense, mais je sais pas, il manque un truc pour moi vu le prix. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais on va voir si aujourd'hui j'arrive un petit peu plus à m'amuser avec. Je vais tenter une sorte de cut crease, je suis pas une grande... grande pro, mais on va tenter, hein. Et on va essayer de faire un petit make-up un peu dans ces tons-là, là. Make-up, honnêtement je suis trop conquise. Là je me suis laissée emporter par ma folie. J'avais envie de tester un peu ce côté où j'arrive à me foncer, même ici en fait. Je sais pas trop si vous allez voir. D'habitude en fait je fais toujours du plus clair au plus foncé. Et là j'ai osé entre guillemets la couleur un peu, les deux couleurs foncées, et je l'ai vraiment fondu partout en fait, sur toute la paupière fixe. Donc j'ai tenté, je vais vous montrer de plus près, mais j'espère que ça vous plaira. Je trouve que c'est assez frais. C'est pas mal du tout, je trouve que ça m'a amélioré dis donc des fois je trouve. En tout cas là, j'ai été plutôt conquise par la palette. J'ai utilisé toutes les couleurs, donc faut avouer qu'il y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes utiles. Hein. Après je trouve que le format est quand même hyper pratique pour dans la trousse de toilette quand on veut partir en week-end. C'est quand même assez solide, ça risque pas logiquement de se casser dans votre trousse de toilette, donc ça c'est plutôt cool. J'avoue que j'hésite à me prendre la grosse version gold parce qu'elle est vraiment très belle. Mais on verra peut-être plus tard, un jour peut-être, on verra. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et sur les lèvres, j'ai tenté une couleur un peu, dans les mêmes tons un petit peu, qui est chromée. Il paraît que ce sont des dupes des fameux rouges à lèvres Jeffree Star, un peu chromés aussi comme ça. Mais je ne sais pas, je peux pas vous dire. C'est de chez Essence, c'est ma petite Ella de la chaîne Ella Rayon Soleil qui me l'a offert. Le Melted Chrome Liquid Lipstick en teinte 04 Iron Heart. Donc une sorte de, ouais, de... rose, un peu cuivré, métallisé, bordeaux, voilà, tout ça en même temps. Bon, je vous montre de plus près, puis on se retrouvera demain pour le prochain make-up. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour ce cinquième make-up avec la Huda Beauty Emerald. Parce que je voulais utiliser la topaze que j'avais, mais celle-ci je viens de la recevoir dans un swap maîtresse. Je vous remettrai le lien ici si ça vous dit, si vous l'avez pas vu. Et du coup bah je me suis dit que c'était l'occasion de la tester avec vous. Je sais que Sophie, donc avec qui je fais cette vidéo en collaboration, eh bien elle aussi elle en a une de cette gamme là. Je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est la bleue. Mais en tout cas voilà, c'était dans la même gamme, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc là, Emerald, alors c'est la première fois que je me maquille avec que du vert. D'ailleurs sur maison du coup j'ai mis une espèce de vernis Chanel un peu vert doré, très joli. J'avais mis une photo sur Insta et du coup bah voilà, allez on va se lancer avec celle-ci, comme ça on va voir un peu ce que je vais faire. Résultat sur mes lèvres, j'ai mis le petit Givenchy comme ça, le nude
Jouy pur, 106, le rouge Givenchy, c'est cette couleur-là, c'est vraiment un crémeux, il est hyper doux. Et voilà, je me suis dit que bon, pour pas trop abuser sur les lèvres, avec le vert sur les yeux, ça allait être très bien. Je voulais quelque chose de nude aujourd'hui sur les lèvres, donc ça tombe bien. Voilà le résultat. Honnêtement, cette palette est juste divine. Elle est très bien pigmentée, mais alors quand ça vous fait des chutes, je vous explique pas votre temps après, c'est une galère à rattraper. D'habitude, les chutes, on peut juste avec un petit pinceau les faire partir, mais alors là, elle s'accroche quoi. Donc je sais pas pourquoi. Donc je vais la retester encore un peu plus en profondeur. Elle est quand même un petit peu poudreuse, faut bien secouer son pinceau. Et comme je vous ai dit, ça accroche, mais la pigmentation est là. Là, j'ai vraiment fait un make-up, on va dire le make-up que je fais basiquement quand je ne sais pas quoi faire, parce que je la connais pas encore assez. Je sais pas comment maquiller mes yeux avec du vert, mais je vais jouer avec ça un petit peu plus. Et puis je reviendrai peut-être vers vous pour une prochaine vidéo où je vous l'utiliserai encore. En tout cas, j'ai bien aimé les fards se fondent très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La pigmentation, comme je vous ai dit, est là. J'ai pas utilisé de base, rien du tout, parce que je veux voir un petit peu comment ça va se passer sur la journée. En tout cas, voilà pour ce dernier maquillage. Et vous en avez eu 5 avec 5 palettes différentes. C'est quasi une semaine, hein. On va dire que le samedi dimanche, même si je me maquille pas forcément le dimanche, le samedi je me maquille, mais là c'est compliqué avec 3 enfants de faire ce style de vidéo. Mais ça me tenait à cœur parce que j'avais envie de m'amuser un petit peu. Puis je me suis dit ça va me booster pour utiliser un petit peu mes palettes. Si vous voulez une deuxième version de cette vidéo, une autre semaine de maquillage avec d'autres palettes, n'hésitez pas à me dire vos idées de palettes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, j'attends votre soutien avec impatience parce que cette vidéo m'aura pris beaucoup de temps à faire, à réaliser et à monter. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que ça vous a plu. Je vous montre ce make-up de plus près et je vous fais d'énormes bisous.